Maintenant, avec mon démodulateur, je vais te transformer en cafard. Hé, Garfield, je viens de commander un magnifique morceau de mimolette. J'ai aussi jeté un œil sur les vidéos que John a tournées sur toi ces dernières semaines. Alors, Audi n'est toujours pas rentré? Non, je comprends vraiment pas pourquoi. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Regarde. Excusez-moi, mon brave. 75 mètres. Encore bâti. Là, va. Mais me lèche pas, Audi. Est-ce que c'est compris? Je te le demande gentiment, d'accord? Me lèche pas. Très bien. Il aura cherché. À ne pas ouvrir avant Noël. D'accord. C'est trop tard de toute façon. Il a trouvé son bonheur de l'autre côté de la rue. Tu te fatigues pour rien. Tu ne peux pas m'échapper. Je vais faire de toi un vulgaire cafard en un éclair. Oui. Oh, il a pas l'air très content. Ils doivent être à court de lasagne ou quelque chose comme ça. Aboyer comme ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Hé, hey, attends-moi. Quoi, je dis, on vient de sauver. Dans moins d'une minute, tu ne seras plus qu'un minuscule insecte. Depuis des années-lumière, les gens rêvent tous de pouvoir transformer leurs chiens en cafards. Non, écoute, voilà ce que je veux que tu fasses. Oh, mais pourquoi il faut toujours qu'on vienne m'interrompre lorsque je suis sur le point de transformer un chien en cafard? Étrange, bon, est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, bien sûr. Je m'apprêtais à transformer un chien en cafard. Alors, chère petite mire. Oh non! Il n'a pas pu disparaître, mon cobaye. Où il est? Je l'aurai. Je te tiens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Désolé, mon vieux, je dois ramener Audi chez nous. Faut qu'on discute. J'ai pas été sympa avec lui ces derniers temps. J'avais pas été sympa avec toi ces derniers temps. Oh, mais je le pensais pas du tout. J'ai dit ça sous le coup de la panique. Un scoop vient de tomber. Bonne nouvelle. Audi le chien est de retour à la maison et Garfield s'engage à être gentil avec lui pendant au moins 2 semaines. Bah, faut pas croire tout ce qu'on raconte à la télé, tu sais.